מחות קטנה נפש תאומה חכי עוד רגע עוד מעט יש שחר לפעולתך הנה הוא בא Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. On sait que toute notre vie, le Yetzara, il prend une partie très très importante dans notre combat, dans le quotidien. Et Chachamim, il dit, après toutes les guerres, Kadosh Baruch Hu, il va amener le Melech HaMashiach. Et il prend le Yetzara, celui-là qui nous a embêtés pendant toute notre chemin de la vie, et il va l'égorger. Et les Tzadikim, il les voit comme une montagne, et les Rechaim, il les voit comme une file de cheveux. Et les deux, ils pleurent. Les tzadikim, ils pleurent comme on a pu dépasser une montagne pareille. Et les rechaim, ils pleurent, qui dit comme on a pu dépasser, comme un cheveu, comme un épaisseur des cheveux. Et Chachamim, il explique, c'est quoi Kechut HaSeara? C'est que les Yetzarara, on l'appelle aussi Melech Zaken Veksil. Shlomo HaMelech, il dit, pourquoi Melech Zaken Veksil? Ça veut dire que Zaken, c'est vieux. Ksil, c'est quelqu'un qui n'est pas sage. Mais il est roi de quoi? Roi de quoi? Il est roi sur ceux qui sont vieux et qui sont ksil. C'est quoi être vieux? Vieux, c'est quelqu'un qui ne se renouve pas. Rabbi Nachman, il dit, Al tiyu zekenim, ne soyez pas trop vieux. Chaque chose, tu dis, ah, ça y est, c'est passé le temps, j'ai plus la force, je ne suis pas capable. Tu sois, chaque fois, tu renouvelles tes forces. Tu es mechadesh, tu renouvelles tout. Comme Akadosh Baruch Hu, il mechadesh be kol yom et kol olamon. Il renouvelle toute la créature. Toi aussi, tu es olam katan, toi aussi, tu as un monde sur toi-même. Donc, renouvelle ton monde. Mais si tu ne le renouves pas, le Yetzer Hara, il peut être roi sur toi. Comment? Il prend toutes les miettes que toi, tu dis, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, je vais arranger, demain ça va aller. C'est quoi les rien? Tu dis, ah, ici je parlais de la chaîne arabe, bon, c'est pas grave. C'est quoi? C'est rien du tout, c'est comme un fil de cheveux. Après, tu manges sans bracha. Après, tu regardes des choses pas bien. Après, et les hâtes, les hâtes, les hâtes, toutes ces petites miettes, ça devient une montagne. Les tzadikim, ils pleurent parce qu'eux, ils ont tout vu comme si c'est une montagne. À faire de la shonara, pour moi, c'est une avera à la taille d'une montagne. Donc, je m'éloigne de ça. Les rachats, chaque chose, il dit que c'est rien du tout. Et après, c'est averot et devient comme une montagne. Comme les tzadik, dès le début, il a vu tous les averot comme si c'est une montagne. À la fin, cette grande montagne, il voit que c'était comme une route à Sahara, comme rien du tout. Ça, les deux, ils pleurent. Ça veut dire que l'homme, dans sa vie, à un moment ou à un autre, il aura un rendez-vous avec lui-même. Ce que l'homme, il n'aime pas trop, qu'il n'aime pas les rendez-vous avec lui-même. Mais dans la vie, il y a plusieurs rendez-vous avec nous-mêmes. Chachamim, il dit, Bnei Israël, avou 42 masaot. Bnei Israël, ils ont passé 42 voyages. Chaque voyage, c'est une étape dans notre vie. Chaque Ben Israël, il passe des étapes dans sa vie. Et chaque étape, il y a une je dois faire les points avec moi-même. Ça veut dire que si on sait que le Yetzer Hara, c'est la racine de tout, la racine des faits que j'arrive pas à avancer dans mon Avodat Hashem, je dois savoir comment je dois faire attention. Parce que le Yetzer Hara est... Chachamim, il dit, il ne laisse pas même des petites choses. Ça veut dire tout ce que toi, tu considères comme une petite chose, lui, il va te faire tomber parce que de ça, il gagne une grande chose. Ça veut dire que, comme on a dit, le Chacham, il ramasse tout pour nous faire tomber. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, nous, ça c'est rien. Aujourd'hui, je l'entends dans une petite chose. Et après, comme il vient de tous les côtés, que moi je l'entends à droite, à gauche, comme on a dit, on l'appelle Zvouv. Donc, il faut que je sache que je ne laisse pas rentrer cette Yetzer Hara dans ma maison. C'est quoi ma maison? C'est ma Marchava,
mes pensées, ma vie. Si on calcule chaque jour, chaque fois qu'on est tombé sur quelque chose, sachez que si on regarde bien, c'est après que j'ai ouvert la possibilité de les laisser rentrer, les Yetzer Hara. Ça veut dire que nous, notre travail, c'est constamment l'ivroir et c'est sauver des contacts avec cette Yetzer Hara. Mais le problème, c'est que le Yetzer Hara, il fait une partie de moi. Comment je peux me sauver de moi-même? Chachamim, ils disent, et le Rabbi Mikosov, il dit, et le Yetzer Hara, c'est comme un serpent, et comme on dit, un serpent qui est très dangereux, celui-là qui est arci, je ne sais pas comment on dit, qu'il est très dangereux, qu'il est dans une boîte. Tant qu'il est fermé, il ne peut rien faire. Dès que tu ouvres pour voir son état, ou c'est par curiosité, il va te piquer. C'est le Yetzer Hara, la guerre avec lui, elle est non-stop de tous les côtés. Elle n'est pas forcément face à face. Ça veut dire que la Gemara dit « El male Hashem ozro lo yacholo » Ça veut dire que si Hashem ne nous aide pas contre cette Yetzer Hara, jamais on n'arriverait pas, on n'arrive pas à les combattre. Mais quand est-ce qu'il nous aide, quand nous-mêmes, on essaye de s'élever. Le Ramchal, il dit, et comme Chachamim, il dit que le Yetzer Hara, il n'est pas maquel bekloum, qu'il ne lâche rien du tout. Le Ramchal, il rajoute des petites choses, mais quelque chose qui est léger et petit, il te ramène à une avéra grande et lourde. Ça veut dire que le Baal Shem Tov il dit, il faut savoir que la guerre est la plus grande, c'est entre le Yetzer Hara et l'homme. C'est que le Yetzer, il dit à l'homme, moi je suis venu ici pour te mettre à toi dans un nisayon, de te faire tomber, c'est mon travail. Et toi, ton travail, c'est de me faire tomber. Il faut savoir que la guerre, cette guerre avec les Yetzer Hara, c'est pas qu'elle est pour aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans. Les Yetzer Hara, elle va être là jusqu'à la venue de Mashiach. C'est marqué, Vayavek ish imo adalot ashachar, le combat entre les Sard et Esav, Beyakov avinu, elle est jusqu'à l'aube. L'aube, c'est quand Mashiach va arriver. C'est que l'homme, s'il comprend que son travail dans ce monde, c'est constamment concentré sur son but. Dès qu'il bouge un petit peu à droite ou à gauche, le Yetzer Hara, il attaque. Notre travail, c'est de savoir que c'est un combat. C'est sûr qu'il y a des moments que je peux me reposer, mais je suis constamment, je dois m'élever. Chaque jour, je dois les combattre. Chaque jour, je dois et passer une étape à une autre étape. Ça veut dire que dans notre génération, on a de tout. Il y avait une génération, une fois d'Avodah Zara, une fois d'or de Shfichud. Notre génération, il y a tout. Mais nous, on doit savoir l'idgaber, c'est renforcer chaque jour, chaque jour. Mais si je fais attention dans les petites choses, qu'il a l'air comme un épaisseur de cheveux, je n'arriverai pas à être une montagne devant moi. Ça veut dire qu'il y a des choses que je peux rentrer dans un nisayon. Parce que si je rentre dans le nisayon, ça y est, je suis prisonnier des Yetzer Hara. Mais si dès le début, un Adam Khotel a une kenich nesaboruar shtut, les Yetzer Hara, ils me rendent dans une vente de folie. Ils me rendent des idées dans la tête. Donc je dois mettre des barrières. Un homme qui met des barrières, c'est un homme libre. Un homme qui ne fait pas de barrières, il croit qu'il est libre, mais il est prisonnier. Il est prisonnier de lui-même. Parce que Chachamim, il dit, « Yetzer lev adam ra mine'urav. » C'est que Hachem, il nous a créé déjà avec cette Yetzer Hara. Et notre travail, c'est les fasciner, nettoyer, comme ces diamants bruts. « Père aïr, père adam yevaled. » Un homme, il est comme ce petit cheval qui est très, 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 très sauvage. Et son éleveur, il le dresse, il le dresse, il le dresse. C'est que l'homme, il doit savoir que il n'y a pas plus sage que le Yetzer Hara. Mais
si toi, tu ne tombes pas dans ces pièges, c'est toi qui vas les combattre. Parce que Chachamim, il dit, si tu sors à la guerre, c'est quelle guerre? Sors à la guerre contre Yetzara. C'est vrai qu'il est Melech Zaken Vexil. C'est vrai qu'il est roi, qu'il est vieux, qu'il n'est pas très sage à la fin. Mais sache une chose, il est très 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 Chacham pour celui-là, qu'il va dans sa vie tranquille, il fait pas de calcul, il prend des risques, il ne met pas des barrières, il vit aujourd'hui, il dit vit aujourd'hui, on verra demain. Sur lui, il est roi. Mais le Yetzara, il n'arrivera pas jamais. Si toi, tu fais ce que Chachamim, il dit, tu analyses tes actions. Tu mets des policiers et des juges dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta bouche, dans ta langue, dans ton nez, dans tes pieds, dans ta main. Le Yetzara, tu l'écrases. Il devient comme un fil de cheveux. Mais sinon, il devient comme une montagne. Tu ne pourras jamais le combattre. Et c'est lui qui va te faire tomber. Et après, on pleure. Comment on n'a pas pu faire, comment on n'a pas pu le combattre? Ça veut dire que le Yetzara, son travail, c'est autour de toi, non-stop, non-stop. Il est autour de nous pour nous faire tomber dans les filets. Dès qu'il te fait tomber, tu ne peux plus rien faire. Il faut savoir, Chachamim, il dit, il faut que l'homme, il sache, à son nez, celui-là qu'il déteste, celui-là qu'il te déteste le plus au monde, c'est ton Yetzara qui se trouve en toi. Toi, tu dors, lui, il est réveillé, non-stop, il fait des calculs. Comment je peux lui faire tomber dans la simcha? Comment je peux lui faire tomber qu'elle est grosse, qu'elle n'est pas belle, qu'elle commence à vieillir, qu'elle a des rides, qu'elle est moche, que son mari, il aime des femmes, d'autres styles de femmes. Il met des... pour détruire ton shlombayt, pour détruire ta joie, pour détruire ta parnassa, détruire les relations entre parents et enfants. Tout ça, c'est Yetzerara. Mais si tu sais ce que Chachamim, ils disent, tu fais attention d'éloigner de tout ce qu'il est et où il nous amène à tomber, de s'éloigner de cette roi de Touma. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Yetzerara? Il nous amène la faute, on fait la faute. Qu'est-ce que tu ramènes avec toi? Tu traînes avec toi maintenant une vente d'impureté. Et cette impureté, elle est partout. Faut savoir s'éloigner de Yetzara. C'est quoi s'éloigner? D'aller savoir, je calcule tout ce que je parle, je fais attention à ce que je regarde, ce que j'écoute, qu'est-ce que je sors de ma bouche. Il y a des choses, il faut que je travaille ma colère, je travaille mon... Qu'est-ce qu'il y a des choses? Les femmes, ils croient que c'est comme les hommes, doivent faire Shmirat Enaim, et les femmes Shmirat Enaim, et comment? Doivent faire attention, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils écoutent, quel endroit ils vont, il y a des endroits qu'il ne faut pas y aller, des endroits de Touma, qui après ça colle en toi, cette Touma, même si tu ne la vois pas. Ben Adam, un homme ne doit pas rentrer dans une situation de Nisayon. De c'est quoi un Nisayon? Tu sais que pourquoi tu rentres dans des endroits que tu sais que tous là-bas, ils font de la Shonara. Tu sais très bien que tu vas faire de la Shonara. Tu rentres dans des endroits que tu sais que tu vas tomber dans des idées, des fausses idées ou des choses pas bien. C'est qu'il y a de Sarara, tout ce que toi tu dis, c'est pas important, lui il ramasse. Imagine-toi que tout ce que tu dis, c'est quelques miettes de l'or. Tu dis, c'est rien, c'est une poussière de l'or, c'est pas grave, il ramasse. Tu t'imagines, il ramasse chaque jour tes pièces de l'or, de toutes les poussières de l'or que tu jettes. Et le lendemain, à la fin des mois ou de l'année, il a une montagne de choses. Mais notre travail, c'est quoi? C'est constamment être sur, comme on dit, et être prêt. Vous savez, des fois on pense que les tzadikim, ils n'ont pas des tzarara, et ils vivent dans un autre monde. C'est une grande erreur. Vous savez, Chachamim il raconte que le Magid Medouvna, qu'il était un grand tzadik, une fois qu'il était assis avec le Gaon de Vilna, que le Gaon de Vilna c'était Kodesh HaKodashim, il faut des heures pour raconter qui était Gaon de Vilna. C'était une génie qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et il lui a dit au Magid Medouvna, il lui a dit, écoute, là c'est un Sh'at Ratzon, c'est un moment
c'est propice comme ça, démontre quelque chose, il va se réaliser. Alors, le Megid Medouvna, il lui dit, je vais ton Yetzerara à toi. Alors, le Gaon Dvina, il lui dit, Ekcheta Lishol, il lui a dit, tu sais ce qu'il t'a demandé là? Tu sais, mon Yetzerara, il est comme du feu, tellement qu'il brûle. Ça veut dire que quand tu vois le Gaon Dvina, qu'il était, je ne sais même pas s'il dormait la nuit, c'est que des études, des génies dans la Torah, dans tout ce qu'on peut s'imaginer. Il lui dit, mon Yetzara, il brûle en moi. Donc, imaginez-vous combien il travaille son Yetzara. Quand on voit Yosef Hatzadik, on croit que quoi, que c'était pour lui, il a poussé la Madame Potiphar avec sa main parce qu'elle n'intéressait pas. Chachamim, ils disent qu'il s'est déchiré en lui tellement qu'il avait le Yetzara pour faire la Avera. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que le Yetzarara, il vient que chez les gens petits. Ça veut dire que tu fais 1m80, ton Yetzarara, il fait 1m80. Tu deviens 2 mètres, ton Yetzarara, il devient 2 mètres. Kol agadol mechavero, yitzro agadol imino. Ça veut dire plus tu grandis, ton Yetzarara, il grandit. Mais c'est quoi le but de tout ça? C'est de sortir de toi les meilleurs. Les meilleurs, grâce au Yetzarara, on sort de nous les meilleurs. Il nous pousse. Sinon, on peut s'endormir. Après, pourquoi Hachem va l'égorger? Parce qu'il nous a... Il a des choses à faire, mais il a trop coloré les mitzvot. Et c'est, il a trop coloré les choses. Ça veut dire que tu as montré une mitzvah, mais comme une avera comme une mitzvah. Donc, il a trop dépassé les choses. Ça veut dire que c'est comme Paro. Paro, pourquoi Hachem lui a puni autant? De toutes les façons, comme si ou comme ça, avec lui ou sans lui, cet passage en Égypte, on devait passer. Mais les surplus, Hachem, il va les punir. La même chose avec les Tzara. Il a dépassé les surplus qu'on est tombé là-dessus. Mais plus on se fatigue, plus Akadosh Baruch Hu nous donne les récompenses. On a dit, on répète, on ne fait rien pour recevoir un cadeau. Mais sachez que chaque effort que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il les compte. Mazé, il les compte. On ne peut même pas s'imaginer tout l'effort qu'on fait. De ne pas rajouter un mot le matin quand ton mari t'énerve et que tu peux maintenant faire un scandale et tu fermes ta bouche. Tu dis, allez, shalom bayit, kaparat avonot, je me retiens, je me prends sur moi. Je parle quand je suis tranquille, pas énervé, pas au moment de colère. Combien de fois on peut dire des choses, on se retient pour ne pas vexer quelqu'un, mais on peut dire la chose. Mais on préfère ne pas vexer la personne. Combien de fois on peut travailler notre jalousie? Combien de fois on peut travailler notre orgueil, notre colère, plein de choses? Qui c'est qui nous empêche? C'est le Yetzara. Mais si tu arrives à le combattre et à faire quand même les choses, on ne peut pas s'imaginer la simcha qu'Akadosh Baruch Hu il a quand il voit sa fille, que chaque jour elle fait des efforts. Chaque jour, elle grandit. Chaque jour, elle, c'est pas facile, mais elle combat. Elle devient une grande tzadekette dans la tzniou, dans tous les domaines. Aujourd'hui, on ne voit pas les récompenses, on ne voit pas les salaires. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'oublie personne. Shlach lachmecha al pnei amayim yom echad timtza'ehu. Tu jettes, tu fais des mitzvot, tu l'oublies. Mais c'est une graine. Un jour, boum, tu as un arbre qui pousse les fruits, tu ne sais même pas d'où c'est venu. Mais tu as planté cette graine. Toute notre vie, on plante des graines. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le travail aujourd'hui, ayom la sotam ve machal le kabel scharam. Cette montre, c'est un passage. On fait. On ne sait pas. Nous, on est dans l'effort. Nous, on est dans l'ishtadlout. On n'est pas dans le résultat. Le résultat, c'est Hachem qui décide. Nous, on fait les efforts. Donc, le Yetzerara montre à Hachem que tu veux le combattre. Tu veux le dépasser. Tu veux le conquérir. Tu veux les dominer. Mais là, Hachem, il va t'aider. Recommence. Baderch Adam rotze lelech molichin oto. Bonne journée à tout le monde. Achot
קטנה נפש תאומה חכי עוד רגע עוד מעט יש שחר לפעולתך הנה הוא בא ואלייך הולך חכי עוד רגע כי רק גם אני איתך בוכה וכמוך מצפה אז חכי עוד רגע עוד מעט הנה הוא בא מנחמך שימי יחור אלייך הולך חכי עוד רגע כי רק את תמיד ידעת למצוא בי עוד קצת אור שממני נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד מעט ואין רשב התבוננת למקומות ואיננו אין תמיד הזכרת לשמוע את השיר שלנו שכמעט נדם נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד מעט הנה הוא בא התבוננת למקומו ואיננו איננו Ça va, vous aussi.